Je vais vous présenter une astuce super cheatée sur Call of Duty MW3 Zombie. Cette astuce consiste à recruter les chiens des enfers. Il faut savoir que ces chiens sont super cheatés. Ils peuvent déjà vous réanimer, soigner toute votre team, et ils servent même de tank avec les zombies. Genre, c'est comme s'il était un singe, il va attirer tous les zombies et vous aurez plus qu'à les tuer. Alors, pour vous aider à les trouver, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Ce qu'il faut savoir, c'est que les niches qui se trouvent dans la zone de difficulté niveau 1, les chiens vous demanderont un morceau de viande. Ceux qui se trouvent dans la zone numéro 2, il vous faudra 2 morceaux de viande. Et celui qui se trouve dans la zone niveau 3, il lui faudra 3 morceaux de viande. Ces morceaux de viande, vous allez les trouver en tuant des zombies. Et ce que je vous conseille pour en obtenir facilement, c'est d'exploser les zombies avec des armes explosives ou des équipements explosifs. Comme ça, vous aurez de grandes chances d'obtenir un maximum de morceaux de viande. Alors bien entendu, le meilleur chien des enfers se trouve dans la zone de niveau 3. Ce que je vous conseille pour y accéder facilement, c'est d'utiliser la grue qui se trouve dans la zone numéro 2. Comme ça, vous allez pouvoir planer jusqu'à la niche directement. Ensuite, vous donnez les 3 morceaux de viande au chien et là, vous allez voir qu'il va devenir votre allié. En plus de ça, ce chien a énormément de points de vie, mais par contre, s'il vous réanime, ça va utiliser plus ou moins un tiers de sa barre de vie. Après, c'est pas très grave parce que si maintenant il ne reçoit aucun dégât d'aucun adversaire, sa vie va tout simplement se régénérer toute seule. Donc ça le rend encore plus cheaté. Il peut vous réanimer quasi en illimité et il est quasi invincible. Et en plus de ça, il vous suit carrément dans les missions finales principales de l'acte 1, acte 2 et l'acte 3. Donc si maintenant vous êtes un joueur solo, je vous conseille fortement de l'utiliser à chaque fois que vous faites une partie. Comme ça, vous êtes sûr que si vous mourrez, il vous réanimera.